Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous Le chien des Baskerville de Conan Doyle. Adaptation de Thomas Narcejac. Avec Jean Topard, André Vard, Louis Arbessier, Lucien Plessis, Albert Gercourt, Jean Bollot, Floriane Prévost et Henri Guizol. Bonsoir, docteur Mortimer. Bonsoir, Barrymore. C'est Sir Henry qui est malade ? Oui, docteur. Pour dire vrai, nous sommes assez inquiets. Sir Henry avait l'air bien portant. Avant le dîner, il a fait sa promenade habituelle. Seulement, il est rentré un peu plus tôt. Ah. J'ai remarqué qu'il était pâle, agité. Il n'a presque pas mangé. Il est allé se coucher tout de suite. Et c'est alors que je vous ai envoyé William avec la voiture. Tiens, tiens. Il n'a pas de vertige. Il ne s'est pas plaint d'étouffement. Non. Eh bien, nous allons voir cela. Oui. Bonsoir, Sir Henry. Il fait bien trop chaud ici. Il faut ouvrir une fenêtre. Non, Mortimer, non, je vous en prie. Surtout ne touchez pas aux fenêtres. Et même, voyez donc si personne m'écoute à la porte. Barrymore est parti. Nous sommes bien seuls. Que se passe-t-il, Sir Henry ? Ma parole, si je ne vous connaissais pas depuis tant d'années, je dirais que vous êtes malade de peur. Je suis malade de peur, Mortimer. Je suis perdu. Vous y allez. Vous avez le cœur fatigué, c'est vrai. Mais de là... Non, il ne s'agit pas de cela, Mortimer. Non, laissez votre trousse tranquille. Prenez plutôt le fauteuil. Et écoutez-moi. J'ai besoin de vous parler d'homme à homme. Que savez-vous du chien des Baskerville ? Ce molosse qui erre dans la lande la nuit venue. Je crois que c'est une légende, une superstition. Tout le monde parle de ce chien et personne ne l'a jamais vu. Ne plaisantez pas, Mortimer. Voyons, Sir Henry. Depuis 3 ans, je traverse et retraverse de jour et de nuit cette lande de Dartmoor. Si ce chien existait, je l'aurais au moins entendu. Chut, écoutez. J'avais bien cru. Oh, ma pauvre tête. Mortimer, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je vous garantis vraie. Ce manoir de Baskerville a été construit il y a des siècles, au temps de la Grande Rébellion. Par mon ancêtre Hugo. Vous savez cela ? Comme tout le monde. Vous savez aussi que Hugo Baskerville était un homme impie et athée. Son nom est resté célèbre dans le pays, hélas. Et voici ce qu'on ignore. Hugo tomba un jour amoureux de la fille d'un fermier. L'enleva. Et comme elle lui résistait, l'enferma ici même, dans une chambre du haut. La pauvre fille, épouvantée par les cris de tous ces hommes qui faisaient ripaille, réussit à s'enfuir en s'accrochant aux lierres de la tour. Quand Hugo découvrit que sa captive s'était évadée, il entra dans une fureur affreuse, fit sceller sa jument
et lâcha ses chiens sur la trace de la fugitive. Ses compagnons à moitié ivres cherchèrent à le rejoindre. Au petit matin, ils trouvèrent le corps de la jeune fille. Elle était morte de peur et de fatigue. Hugo Baskerville gisait un peu plus loin. Sur son cadavre était couché un gigantesque chien noir, au mufle plein de sang. Une créature diabolique qui disparut dans la brume. Et depuis cette époque, les Baskerville meurent presque toujours tragiquement. Bon, ne vous agitez pas, Sir Henry. Vous ne me croyez pas, bien entendu. Et pourtant, ce soir, Mortimer, au fond du parc, dans l'allée des ifs, j'ai entendu le chien des Baskerville. Quelque bête égarée. Allons donc, comme si vous ignoriez que dans un rayon de 5 miles, il n'y a pas une ferme, pas une maison à part celle des Stapleton. Et les Stapleton n'ont pas de chien. J'ai affronté bien des périls, Mortimer, quand j'étais aux Indes. Je ne suis pas un lâche. Eh bien, quand j'ai entendu ce chien hurler à la mort, je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Je courais. Oui, je courais. Et tenez. Oh, mon pauvre ami. Il me semble que je l'entends encore. C'est terrible. Je suis un homme perdu. Vous avez tort, Sir Henry, de vous affoler de cette façon à cause d'une légende. Mon père renversé par son cheval un soir qu'il revenait de Dartmoor. Est-ce une légende? Et mon grand-père noyé dans le grand bourbier de Grimpay. Est-ce encore une légende? Je vous accorde, Sir Henry, que la fatalité s'acharne sur votre famille. Mais il suffit de raisonner. Mais j'ai raisonné, Mortimer. Et c'est pourquoi je vous ai fait venir. Mon frère Roger est mort en Amérique du Sud. J'ai jamais su dans quelles circonstances. C'était un garçon taré qui rompit très vite toute relation avec nous. Je crois qu'il ne s'est jamais marié. Après moi, il ne reste donc qu'un Baskerville. Mon neveu Henry. Il est au Canada depuis qu'il a perdu son père. Vous allez me faire une promesse, Mortimer. S'il m'arrivait quelque chose... Mais je vous assure que... Je sais ce que je dis. S'il m'arrive quelque chose, promettez-moi d'avertir mon neveu. La fortune que je lui laisserai est considérable. Qu'il voyage, qu'il s'établisse ailleurs, mais surtout qu'il ne revienne jamais habiter ici, vous entendez, Mortimer? Jamais! À cause du chien. Je suis peiné, Sir Henry, de vous voir dans cet état. J'ai votre parole, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Mais vous n'avez rien à craindre, je vous le répète. Je vais vous donner un calmant et je reviendrai après-demain. Et d'ici là... Oui, d'ici là... Bonsoir, Mortimer. Et excusez-moi. Faites attention en traversant la lande. Barrymore, reconduisez le docteur, Mortimer. Ne vous inquiétez pas, Sir Henry. Nous vous tirerons de là. Docteur, si je puis me permettre. Mais j'avoue qu'il m'inquiète un peu. Bigre, quelle nuit noire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez entendu Barrymore? Non, c'est la première fois. Un chien perdu, sans doute. Je n'aime pas beaucoup cela. Bonsoir, Barrymore. C'est bien entendu à la première alerte. Vous m'envoyez William. Vous n'avez pas vu de chien rôder autour du manoir? Non, docteur. Pourquoi? Rien. Une idée. Une idée idiote. À bientôt, Barrymore. John Henry Baskerville est arrivé depuis un bon moment. J'ai hâte de les voir, Mortimer et lui. Quelle histoire. Docteur Watson,
Voulez-vous me relire la fin de la lettre de Mortimer, je vous prie? Voici. Sir Henry gisait la face contre terre, les bras étendus, les doigts enfoncés dans le sol, les traits convulsés par une émotion puissante. Il n'y avait sur le corps aucune blessure. Mais Barrymore a fait à l'enquête une déclaration erronée. Il a assuré qu'il n'y avait aucune trace sur le sol autour du cadavre. Or, j'ai vu, moi, des traces très nettes, les empreintes d'un chien gigantesque. D'un chien gigantesque. Que disent les journaux, Watson? Rien de plus. D'après les domestiques, la santé de Sir Henry s'était altérée. Il faisait de violentes crises de dépression nerveuse. Que pensez-vous de Barrymore? C'était l'homme de confiance de Sir Henry. C'est lui qui a trouvé le corps au fond du parc, non loin d'une barrière ouvrant sur la lande. Il a expliqué qu'il avait suivi les traces de pas laissées par son maître. Elles aboutissaient à la barrière, puis s'éloignaient vers le fond du parc en changeant de forme, comme si Sir Henry avait marché sur la pointe des pieds. Absurde. Ah, voici nos visiteurs. Docteur Mortimer. Moi-même. Enchanté, mon cher confrère. Docteur Watson. Enchanté. Et voici Sherlock Holmes. Bien sûr. Mais je ne vois pas Sir Henry Baskerville. Aurait-il manqué son train ou son bateau? Non, rassurez-vous. Il a débarqué hier soir en parfaite santé. Et je l'ai reçu tout à l'heure à Charing Cross. Je l'ai laissé à l'hôtel. Il va nous rejoindre dans un instant. Vous serez mieux dans ce fauteuil. Merci. Votre lettre nous a bien intrigués, mon cher Mortimer. Il y a un détail qui me surprend. Vous êtes sûr, docteur, qu'il n'y avait aucune empreinte autour du corps? Absolument sûr. Elles s'arrêtaient à une vingtaine de pas du cadavre. C'est pourquoi la police ne les a pas remarquées. D'après leurs dimensions, il n'y a aucun doute. Le chien qui a laissé de telles traces est beaucoup plus grand qu'un chien de berger, par exemple. Oui. Quelle sorte de nuit était-ce? Humide et froide. Ce chien, ce fameux chien des Baskerville, personne ne l'a jamais vu, évidemment. Et détrompez-vous. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert que plusieurs personnes avaient vu sur la lande un être étrange. Une sorte d'animal énorme, lumineux, fantomatique. J'ai interrogé longuement ces hommes. L'un est un paysan, l'autre un maréchal ferrant et le troisième un fermier. Et je suis convaincu qu'ils disent la vérité. D'ailleurs, ils n'osent plus sortir le soir. Et moi-même, quand je dois aller faire une visite... Vous m'étonnez, Mortimer. Alors, d'après vous, cette bête est surnaturelle? Je ne sais que croire. Qu'attendez-vous de moi? Je vous demande de protéger Sir Henry. Comme je le craignais quand je vous ai écrit, il a l'intention de se fixer au manoir. Or, j'ai promis à son oncle... Je comprends. Mais... Vous alliez dire quelque chose, Watson? Oui. Il y a un détail qui me chiffonne. Pourquoi diable Sir Henry Baskerville aurait-il marché sur la pointe des pieds? Avez-vous une idée là-dessus, mon cher Mortimer? Il ne marchait pas sur la pointe des pieds, Watson. Il courait. Hein? Il courait désespérément parce que sa vie en dépendait. Et il a couru jusqu'à ce que son cœur éclate. Alors, raisonnez un peu, Watson. Oui, en effet, c'est assez plausible. Votre conclusion, Holmes? Ma conclusion? Passez-moi une allumette, Watson. Merci. Ma conclusion? Oui. Il y a bien des façons d'assassiner quelqu'un. Là, voici Sir Henry. Ma foi, monsieur Holmes, je suis bien aise de vous rencontrer. En effet, car la lettre anonyme que vous avez reçue tout à l'heure au Northumberland Hotel vous a bouleversé. Et en outre, on vous a volé une paire de chaussures. Ah ça, mais vous m'avez donc fait espionner? Pas le moins du monde. Seulement, le Northumberland Hotel est juste en face de Charing Cross. Et d'autre part, dans votre agitation, vous avez oublié de remettre votre lorgnon dans votre poche. Mais oui, tenez, regardez, il pend au bout de son cordon. Et ce n'est pas la lecture d'un journal qui a provoqué votre indignation, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai reçu une lettre anonyme. Et vous êtes descendu à la réception pour vous renseigner? Oui, mais je n'ai pas été absent plus de 3 minutes. Sans doute. Mais il n'en fallait pas davantage pour vous voler une paire de chaussures. Des chaussures noires, je présume. Et à tige de drap. Vous êtes un homme extraordinaire. Bon, non. Je regarde, c'est tout. Tenez, je constate que Sir Henry porte un costume d'après-midi de couleur foncée et que ses souliers sont jaunes. Sir Henry est un homme élégant, qui aurait certainement mis des bottines noires à la dernière mode. Le malheur, c'est qu'on venait de les lui voler. Oh, mais tout cela est exact. Et je voudrais bien savoir ce que signifie ce vol. Procédons par ordre. Montrez-moi ce billet. Voici.
Voyez, l'adresse est en gros caractères. Oui, je vois. Et notez que les mots du texte ont été découpés dans un journal et collés sur la feuille. Si vous tenez à votre vie ou à votre raison, n'allez pas sur la lande. Seul le mot lande a été écrit à l'encre. Faites voir, je vous prie. Oui, ce sont les caractères du Times. Watson, le Times d'hier est à côté de vous. Passez-le-moi, je vous prie. Merci. Il y a quelqu'un qui semble prendre un grand intérêt à vos déplacements, Sir Henry. Écoutez cet extrait de l'éditorial. N'allez pas vous laisser flatter au point d'imaginer que votre métier et votre industrie profiteront de ces tarifs douaniers. Si vous tenez à une législation de ce genre, réfléchissez, elle appauvrira le pays, abaissera les conditions de vie dans notre île, si vous n'avez pas assez de raisons pour lutter contre elle, etc., etc., etc. Je ne vois pas le rapport. Tous les mots y sont, voyons. Vous, votre, vie, raison, n'allez pas, si vous tenez... Le mot « land » a été ajouté à l'encre parce qu'il ne figurait pas dans le journal. Oh, magnifique. Bon, si. Et on a utilisé des ciseaux à ongles. Regardez, vous pouvez voir que les lames en étaient très courtes puisque celui qui a découpé les mots a dû s'y reprendre à deux fois pour détacher le groupe « n'allez pas », vous voyez, là, et le groupe « si vous tenez ». Vous êtes étonnant. Bon, l'auteur de cette lettre est un homme cultivé. Et ses efforts pour cacher sa propre écriture prouvent que vous pourriez la reconnaître un jour. Il était, de plus, très pressé. Oui, puisque les mots n'ont pas été collés suivant une ligne bien droite. Et il a écrit l'adresse dans un hôtel. Tenez, car la plume a craché deux fois, vous voyez. Et s'est trouvé trois fois à sec pour une si courte adresse. Oh, vous connaissez les plumes et les encriers des hôtels. Mais ce vol de chaussures, monsieur Holmes. Justement. Quoi? Vous sauriez déjà quelque chose? Non. Non. Faites pas attention. Watson, une allumette, cette sacrée pipe ne tire pas. Merci. Sir Henry, à votre place, je n'irai pas au manoir. Il y a du danger. Il n'y a point de diable en enfer, monsieur Holmes, et il n'y a point d'homme sur terre qui puisse m'empêcher de me rendre à la demeure des miens. Voilà qui est parlé, Sir Henry. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, et vous pouvez compter sur moi. Et vous allez retourner à l'hôtel où Watson et moi vous reprendrons dans une demi-heure, et là-bas, nous dresserons nos plans de campagne. Je vais vous rappeler. Watson, vite, vite à la fenêtre. Chut, ne vous montrez pas, surtout. Tenez, jetez un coup d'œil dans la rue. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Mais si, le cab. Vous voyez bien le câble? Tenez, il se met en marche. Il suit Mortimer et Baskerville. Regardez le cocher. Il a une épaisse barbe noire. Il faut courir, Holmes, le rattraper. Tenez-vous tranquille, Watson. Il est évident que quelqu'un a surveillé Mortimer, l'a suivi jusqu'à Charing Cross, puis s'est faufilé derrière Baskerville au Northumberland Hotel. Et là-bas, il a écrit la lettre, et profitant de l'absence du jeune Baskerville, il a volé les chaussures. Et pourquoi, Holmes? Pourquoi? J'entrevois une machination horrible, Watson. Hein? Le cab a disparu. Nous pouvons sortir. Savez-vous ce que vous allez faire, mon cher ami? Non. Non. Eh bien, dans quelques jours, vous rejoindrez Sir Henry au manoir. Vous veillerez sur lui. Soyez toujours armé et empêchez le jeune Baskerville de sortir le soir. Je vous jure que nous avons un adversaire de taille. Vous m'inquiétez, Holmes. Je me demande si à moi seul... Je ne puis m'absenter en ce moment, mais dès que je serai libre, j'irai vous prêter main forte. Et à nous deux, j'espère que nous éviterons le pire. Excellent. Mais Dieu, que ce pays est sauvage. Ces landes désertes, ces brouillards perpétuels, ces oiseaux noirs qui volent au-dessus des friches. Et pour compléter le tableau, ces gardes au carrefour. Vous n'avez pas rencontré le bagnard? Non. Nous avons seulement été arrêtés par un garde à cheval. C'est par lui que j'ai appris l'évasion de ce Selden. C'est un individu dangereux. Oui, on le dit. Il y a plusieurs jours qu'il se cache quelque part dans la lande. On surveille les routes et les gares, mais... Tant qu'on ne fouillera pas méthodiquement le pays, le gaillard ne risquera pas grand-chose. Il aura du mal à se ravitailler. Cette lande est un vrai désert. Venez, docteur, je vais vous montrer votre chambre. Ici, vous voyez la salle à manger des Baskerville. Pas très gaie, n'est-ce pas? Et surtout avec tous ces portraits qui vous regardent, ces ancêtres.
que je ne connais pas bien encore. Attention, il y a deux marches. Et ce couloir là-haut dessert toutes les chambres. La vôtre est juste à côté de la mienne. Montez. Voilà. Ah, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à sonner Barrymore. À propos de Barrymore, excusez-moi, Sir Henry. Est-ce qu'il vous inspire confiance? Quoi, vous le soupçonnez de quelque chose? Quand vous êtes venu nous voir à Baker Street, un cab nous suivait. Il était conduit par un homme qui portait une épaisse barbe noire. Mmh. Une barbe comme celle de Barrymore. Mmh. Sa famille était au service de la nôtre pendant de nombreuses générations, je ne puis croire que... Et justement, était-il au manoir le jour de votre arrivée à Londres? Ma foi, je l'ignore. Mais vous me faites penser à quelque chose qui m'a intrigué l'autre soir. Parlez, je vous prie. Il y avait du vent, je ne parvenais pas à m'endormir. Oh, c'est ridicule. Mais non, pas du tout. Le plus petit indice peut me permettre d'être sur une piste. Eh bien, voilà. J'ai entendu quelqu'un pleurer. Mm-hmm. Oui, je suis sûr de ne pas me tromper. Quelqu'un pleurait. Une femme. Oui, plus j'y pense, plus je suis prêt à affirmer que c'était une femme. Dans la maison? Oui, quelque part dans les salles du bas. Attendez, il y a mieux. La nuit dernière, vers 2h du matin, j'ai été réveillé par un pas furtif qui passait devant ma chambre. Je me suis levé. Il y avait dans le corridor un homme qui marchait sur la pointe des pieds. Je le suivis. Il entra dans un débarras au second, alluma une bougie et il la tint immobile tout contre la vitre. Qui était-ce? Barrymore. Il regardait du côté de la lande. Au bout de quelques minutes, il poussa une sorte de gémissement et éteignit la lumière. Ensuite? Eh bien, ensuite, il regagna sa chambre. Et vous n'avez pas songé à l'interroger? Non, ce rôle d'espion me répugnait. Mais si vous n'êtes pas trop fatigué, ce soir, nous pourrions monter la garde. J'allais vous le demander. Oui, entrez. Le thé est servi, monsieur. Bon, nous descendons tout de suite. Vous accepterez bien quelques tranches de cake, docteur, en attendant le dîner. Volontiers. Votre avis, Sir Henry, qu'est-ce que Barrymore faisait là-haut? La mort de mon oncle l'a profondément bouleversé, je crois. Peut-être avait-il surpris quelques bruits suspects. Vous pensez au chien, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu hurler? Non. S'il n'y avait pas le témoignage de Mortimer, je serais même assez sceptique. Encore une question. Barrymore a-t-il été avantagé d'une façon quelconque dans le testament de votre oncle? Lui et sa femme ont reçu chacun 550 livres. Ah. Savait-il qu'il recevrait cette somme? Oui, tout le monde ici connaissait les dispositions testamentaires de mon oncle. Tout le monde? Le personnel est donc nombreux? Non, il se compose seulement de Barrymore, de sa femme et d'une fille de cuisine. Quand je dis tout le monde, je songe aussi à Mortimer et au Stapleton. Ah, merci Barrymore, compliment pour le cake. Monsieur a-t-il encore besoin de moi? Non, vous pouvez disposer Barrymore, j'ouvrirai moi-même au Stapleton. J'ai pensé que vous êtes agréable, docteur, en invitant les Stapleton. Vous connaîtrez ainsi nos voisins. Stapleton est un bonhomme assez maniaque, vous verrez. Il a dirigé une école dans le temps. Et puis, à la suite d'une épidémie, il perdit plusieurs de ses pensionnaires. L'établissement qu'il dirigeait périclita. Il fut contraint de se retirer à la campagne. Quant à sa sœur, un peu de lait, docteur? Là, merci. Vous parliez de la sœur de Stapleton. Oui, Beryl, je veux dire, sa sœur. Elle est très gentille. Elle doit s'ennuyer dans un pays aussi sauvage en compagnie d'un homme comme son frère. Si vous voyez leur maison, elle est située en bordure d'un immense marécage qu'on appelle le bourbier de Grimpen. D'ailleurs, tenez, si vous voulez venir jusqu'à la fenêtre. Là-bas, là, à droite, derrière les arbres. Hein, je vois. Et le bourbier commence là. Il a englouti
Bien des bêtes et bien des hommes, paraît-il. Je crois même qu'un Baskerville s'y est enlisé. Stapleton lui-même, et pourtant il en connaît tous les passages, ne s'y aventure qu'avec précaution. Il prétend que ce marais contient des trésors. Tiens, pour un botaniste. Et ce toit gris, là-bas? C'est leur maison, justement. Et à gauche, au pied de la colline? Ah, là, vous apercevez des grottes préhistoriques. Hein, c'est un pays singulier, docteur, mais dont on subit rapidement le charme. Et quel âge a-t-elle, mademoiselle Stapleton? 24 ans. Elle est jolie, naturellement. Oui, elle est très jolie. Encore une tranche de cake, docteur? Merci, merci. Vous m'en donnez deux. Vous devenez distrait quand on aborde certains sujets, mon cher ami. Ah, c'est elle. Excusez-moi, je vais aller les accueillir. J'ai peut-être le temps de donner un coup de téléphone. Mais certainement, l'appareil est à côté, dans mon bureau. Merci. Allô? Donnez-moi le 24-28 à Londres. Merci. Allô, c'est vous, Holmes? Quoi de neuf? Barrymore trahit son maître. Il communique avec quelqu'un qui se cache dans la lande. Je sais. Ce soir, nous tâcherons de le surprendre. Ne le bousculez pas trop, ce pauvre Barrymore. Et soyez prudent. Ayez toujours votre revolver sous la main, à cause du chien. Allons donc. C'est une créature redoutable. Et ensuite? Ensuite, Baskerville est amoureux. De Beryl Stapleton? Si vous savez tout, je me demande pourquoi vous m'avez envoyé ici. Il est amoureux de Beryl, vous êtes sûr? C'est terrible. J'entends les Stapleton qui arrivent. Encore un mot, Watson. Quand vous aurez un moment, regardez le portrait de Hugo de Baskerville. Allô, vous m'entendez? Oui. Regardez-le bien, le visage de Hugo, et supposez qu'il n'ait pas de barbe. Alors vous comprendrez le mystère du chien. Allô? Allô? Ah, le diable d'homme. Il faut bien être Holmes pour voir un rapport entre la barbe de Sir Hugo et le chien de Baskerville. Est-ce qu'il existe seulement ce chien? Je voudrais bien le voir. Ah, voici le docteur Watson. Monsieur et mademoiselle Stapleton. Ah, si charmé, mademoiselle. Enchanté. Très honoré. Docteur Watson. Ah, sans doute aurons-nous l'honneur et le plaisir de rencontrer bientôt monsieur Sherlock Holmes. Les histoires de votre fameux détective sont parvenues jusqu'ici, docteur Watson. Et nous savons tous que Sherlock Holmes n'est jamais bien loin quand vous arrivez quelque part. Oui. Mais je suis peut-être indiscret. Nullement. Je vous assure simplement que je suis ici en visite chez mon ami Sir Henry. Sherlock Holmes n'a pas du tout l'intention de quitter Londres où le retient l'affaire des colliers. S'il vous plaît, docteur, de visiter la lande, je serais heureux de vous servir de guide. Je suppose que vous n'êtes pas impressionné par cette ridicule histoire de chien. Non, mais vous avouerez qu'elle est troublante. Le docteur Mortimer l'a entendu, ce chien, de ses propres oreilles. Oh, moi aussi, je l'ai entendu. Et tous ceux qui vivent sur la lande l'ont entendu au moins une fois. Seulement, il ne s'agit pas d'un chien. Attendez, vous allez comprendre. Venez, Beryl. Maintenant que votre frère a trouvé un auditeur complaisant, il ne va plus le lâcher. Je voudrais vous montrer le moteur électrique que je viens de faire installer pour monter l'eau. Et oui, avec plaisir. Par ici, docteur, de cette fenêtre, vous verrez mieux. Cette allée d'If là-bas, c'est la fameuse allée? Oui, et elle aboutit à un petit étang où se pose un grand nombre d'oiseaux de passage. Et savez-vous ce que je pense? Eh bien, ce hurlement qui a épouvanté tant de gens, ce n'est pas un chien qui le pousse. Mais un oiseau. Vous voulez rire? Oh, voyons, docteur, ai-je l'air d'un plaisantin? Je vous affirme que la bête qu'on entend hurler autour du manoir, car on ne l'entend pas ailleurs, notez ce détail, est un butor criard. Oui, c'est à s'y méprendre. Et j'ai vu des butors autour de l'étang. Oh, vous me surprenez, monsieur Stapleton. Alors, Sir Henry aurait eu peur d'un butor. Et finalement, il serait mort de peur à cause d'un oiseau qui ressemble à un héron, si mes souvenirs sont exacts. Vous oubliez le bagnard évadé? Quel rapport? Sir Henry attendait quelqu'un près de la barrière. Et le bagnard s'est enfui de Dartmoor la nuit où Sir Henry est mort. Vous êtes sûr? Il vous sera facile de vérifier. Je me demande si Sir Henry n'a pas profité de la légende du chien pour donner le change. Mais alors, ce bandit, si je vous suis bien, aurait eu le moyen de contraindre Sir Henry à venir l'attendre dans... Mais c'est invraisemblable. Il y a un secret dans cette famille. Et je jurerais que le jeune Henri le connaît. Tiens. Mais où sont-ils passés? Beryl! Beryl! Ah! J'aime pas les manières de ces garçons. Beryl! Mais laissez donc, ils vont revenir. Mais croyez-vous que je ne le vois pas?
Parce qu'il est baron, il se croit tout permis, ma parole. Berry, je ne tolérerai pas cela plus longtemps. Du calme, Berry. Monsieur Stapleton. Voulez-vous me permettre de vous parler franchement? Si mon ami avait l'intention d'épouser votre sœur, vous serez le mal. Quoi? Épouser ma sœur? Tous les Baskerville sont des... Et bien voilà, c'est docteur. Je ne suis pas d'humeur à supporter. Ne faites pas attention, je vous en prie. Je suis un vieux bonhomme égoïste. Si ma sœur s'en allait, si elle m'abandonnait pour un autre... Non, ce serait trop affreux. Moi, vivre tout seul dans cette maison parmi mes herbiers, mes bêtes empaillées, je deviendrais fou, docteur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et vous savez, ma chère, c'est lequel des... Ah, les voici, enfin. Il est arrangé très ingénieusement. Et maintenant, je vais faire transformer cette salle à manger. Elle est beaucoup trop sombre. Il faudrait un beau lustre. Et qu'y a-t-il, Stapleton? Vous semblez souffrant. Ce n'est rien. Nous allons nous retirer avec votre permission. Mais vous prendrez bien une tasse de thé. Non, merci. Vous venez. Mais Stapleton, voyons, on dirait que vous êtes fâché. Non. Mais non, si, si vous ne vous sentez pas bien, le docteur Watson. N'est-ce pas, Watson? Non, mais c'est inutile. Moi, je suis désolé. Venez, Berry. Oh, diable, si j'y comprends quelque chose. Vous avez vu cela, Watson? Quand il est arrivé, il était d'excellente humeur, et puis cinq minutes après. Alors, c'est un original et un grincheux, mais quand même. Et il est jaloux. Jaloux de quoi? Je ne voudrais pas être indiscret, mais. Enfin, ouvrez les yeux, mon cher ami. Stapleton sait que vous aimez sa sœur, voilà. Oui, je l'aime, Watson. C'est arrivé comme dans les livres, le coup de foudre. Je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de regarder les femmes, et puis brusquement, la fortune, le loisir, la solitude. Et Beryl pour finir. Je comprends. Il n'y a plus à hésiter, je vais écrire à son frère. Il n'a pas la prétention, je suppose, de la garder prisonnière. Qu'est-ce que vous feriez à ma place, Watson? Je prendrai le temps de la réflexion et je surveillerai Barrymore. Chut! Il vient de passer. Allez, venez. Suivez-moi. Et pas de bruit. Voyez, il allume sa bougie, comme l'autre soir. Il la tient contre la vitre. Curieux. Il regarde du côté de la lande. Vous êtes prêts? Allons-y. Que faites-vous ici, Barrymore? Rien, monsieur. C'était la fenêtre, monsieur. Je fais ma ronde le soir pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. Au second étage? Mais oui, monsieur, toutes les fenêtres. À 2 heures du matin? Faites attention, Barrymore. Nous sommes décidés à connaître la vérité. Mieux vaut nous la dire plutôt plus tard. Alors? Pas de mensonge, hein? Qu'est-ce que vous faisiez à la fenêtre? Je ne faisais rien de mal, monsieur. Je tenais une bougie à la fenêtre. Et pourquoi teniez-vous une bougie à la fenêtre? Ne me le demandez pas, Sœur Henry. Ça ne me le demandez pas. Je vous donne ma parole, monsieur, que ce secret ne m'appartient pas. Si ça ne concernait que moi, je n'essaierais pas de vous le cacher. Mais parbleu, il faisait un signal. Donnez-moi cette bougie, Barrymore. Nous allons bien voir si quelqu'un répond. Là-bas. Là-bas, ce petit point brillant. Oh non, monsieur, non, c'est rien du tout. Promenez la bougie en travers de la fenêtre, Watson. L'autre bouge aussi, regardez. Canaille. N'irez-vous que ce soit un signal? Allons, parlez! Quel est votre complice là-bas? Je ne vous dirai rien. Alors vous quitterez mon service immédiatement. Et vous vous en irez honteusement, Barrymore. Votre famille a vécu avec la mienne plus de 100 ans sous ce toit et je vous trouve en train de comploter contre moi? Oh non, monsieur, pas contre vous. Alors, pourquoi? Parlez! Qu'est-ce que cela signifie? Le frère de ma femme meurt de faim sur la lande. Mais nous ne pouvons quand même pas le laisser mourir à notre porte. Alors cette lumière est un signal pour lui dire que les aliments sont prêts. Et sa lumière là-bas, c'est pour nous indiquer l'endroit où nous devons les porter. Alors, votre beau-frère, c'est... Oui, monsieur. Le bagnard évadé, Selden. Oh, un bon petit. Il a été entraîné. Quand il s'est évadé, il n'a pensé qu'à venir ici. Et nous l'avons caché dans les grottes. C'est bon, je vous crois. Rentrez dans votre chambre. Nous parlerons plus longuement de tout cela demain. Watson, cette canaille se cache à moins de 2 miles. Nous allons le capturer et le faire parler. Il doit en savoir long sur le chien des Baskerville. Allez, venez!
Watson. Watson, vous entendez? Oui. Stapleton m'a expliqué, c'est un butor. C'est impossible, Watson. C'est un chien. Watson, je suis plus un enfant, j'aime mieux savoir la vérité. C'est un chien, n'est-ce pas? Je voudrais bien le savoir. Mon Dieu, se peut-il qu'il y ait quelque chose de vrai dans toutes ces histoires? Est-ce que je suis vraiment en danger à mon tour? À Londres, je haussais les épaules quand on me parlait de ce chien, mais ici... Voulez-vous qu'on retourne au manoir? Jamais. On dirait que ce cri vient du bourbier de Grimpen. Oh, c'est le vent qui nous joue des tours. Watson. Watson, arrêtez-vous, je suis sûr qu'on vient de marcher devant nous. Il y a quelque chose sur le chemin. Doucement. Ne tirez pas, surtout. La lune se lève. Allons, avançons. Dans un quart d'heure, le clair de lune nous trahira. Cette fois, nous n'avons pas rêvé. Il y a bien un chien sur la lande. Si seulement Holmes était là. Vous avez remarqué, tout à l'heure, le hurlement venait de notre droite. Et maintenant, il est devant nous, comme si la bête courait vers les grottes. Diable! Nous avons oublié Selden. Vite, vite! C'est ici! Il y a un sentier! À gauche, je vois la grotte! Le chien! Tirez, Watson! Raté! Il a pris la fuite. J'ai juste aperçu une ombre qui disparaissait, une ombre gigantesque, je n'oublierai jamais cela. Venez, entrons dans la grotte. Avez-vous les allumettes, Watson? Oui, c'est vrai. Selden. Selden! Oh! Il est ici. Une autre allumette, Watson. Oh, la tête broyée. J'ai les doigts pleins de sang. Le chien existe. Vous comprenez, Watson, le chien existe. Oh, je suis un homme mort. Taisez-vous donc. Laissez-moi réfléchir. Voyons où ai-je fourré ces allumettes. Je voudrais examiner le corps. Ces vêtements, avez-vous remarqué? Ils m'appartiennent. Barrymore lui a donné un de mes vieux complets. Un de vos complets? Cela doit signifier quelque chose. Si seulement Holmes était là. Il est là! Hein? Quoi? Qui va là? Hé, doucement, on n'allait pas me tirer dessus. C'est moi, Holmes, en chair et en os. Mais vous étiez à Londres. Exact, j'étais à Londres et maintenant je suis ici, pour vous sauver, Sir Henry. Et vous avez résolu le problème? Il y a déjà pas mal de temps, mon cher Watson. La solution crevait les yeux. Mais c'est vous qui marchiez tout à l'heure sur le chemin? Oui. Pourquoi ne vous êtes-vous pas fait reconnaître? Parce que j'aurais voulu garder l'incognito plus longtemps. Jusqu'à la fin. Nous avons un adversaire terrible, Watson. Et qui ne reculera devant rien. Tant pis. Je lutterai maintenant à visage découvert. Devons-nous ramener le corps de Selden? Inutile. Nous avons intérêt à ne pas nous attarder sur la lande. C'est bien un chien, n'est-ce pas? Oui. C'est un chien. Mais son maître est le diable. Rentrons vite. Mortimer? Que se passe-t-il? Oui, je me suis arrêté une minute en passant. Mais c'est Monsieur Holmes? Quelle surprise! Et encore, vous ne savez pas tout. Le bagnard. Eh bien, c'était le beau-frère de Barrymore. Il vient d'être tué. Par le chien. Par le chien, vous entendez, Mortimer? Mais oui, j'entends bien, mais j'ai peur de comprendre. Monsieur Holmes va tout nous expliquer. Je pense qu'il doit rester quelques provisions à l'office. Watson, soyez gentil, mettez la table. Entendu. Il vaut mieux ne pas déranger Barrymore, surtout pour lui apprendre que Selden est mort. Une minute, Sir Henry. J'ai une commission pour vous. Ce soir, j'ai rencontré Stapleton. Il était un peu fatigué, il voudrait bien vous voir. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser et il m'a raconté une histoire assez embrouillée. Enfin bref, il vous attend chez lui, demain soir. Bon, 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 j'irai, naturellement. Excusez cette collation improvisée, monsieur Holmes. Je vous en prie. La théière est sur la desserte, Watson. Bien. Sir Henry possède une bien remarquable galerie de tableaux. Voici un Keller, si je ne me trompe. Et ce vieux gros monsieur, en perruque, c'est un Reynolds. J'en jurerai. Ce sont des portraits de famille. Bien, table. Vous regardez mes ancêtres, monsieur Holmes. Oui. Et qu'est-ce que ce cavalier en velours noir et dentelle? Mais parbleu, c'est le fameux baron Hugo, celui qui est la cause de tous nos malheurs. Watson, voulez-vous approcher un flambeau, s'il vous plaît? Voilà. Tenez, donnez-moi une chaise, maintenant. Allez, regardez.
Là, avec mon mouchoir, je cache le chapeau et la longue barbe. Oh ! Incroyable ! On dirait Stapleton. Exactement. Stapleton est un Baskerville. De telles ressemblances ne sont pas rares. Mais alors ? Alors ? Passons à table, car c'est une longue histoire. Pardon, essayez-vous. Je vous disais donc que Stapleton est un Baskerville. Mes recherches à Londres prouvent qu'il est le fils de ce Roger mort en Amérique. Il changea de nom et vint en Angleterre où il ouvrit une école sous le nom de Vandeleur. Merci. Puis ruiné, il se fit appeler Stapleton et il se mit alors en tête de capter l'héritage des Baskerville. Ah, je comprends. Connaissant la légende du chien, il se procura un énorme danois à Londres et lui prépara un chenil au centre du Bourbier, dans un endroit inaccessible à tout autre. Puis un soir, il donna rendez-vous à Sir Henry près de la carrière, sous un prétexte que j'ignore, et lâcha son chien. Voilà, vous connaissez la suite. Et Selden ? Pure coïncidence. Mais moi, comment compte-t-il se débarrasser de moi ? N'y a-t-il pas Berville pour vous attirer chez lui ? Peut-être, mais cependant... Ne vous a-t-il pas invité, demain soir ? Vous croyez que... Sans aucun doute. Il a l'intention de vous faire tuer demain par son chien. C'est même pour cela qu'il vous a volé une paire de chaussures à l'hôtel. Oui ? Car il attendait l'occasion depuis le matin. Son chien connaît votre odeur, maintenant. Et la preuve, c'est qu'il a tué Selden, parce que Selden portait vos vêtements. Mais c'est terrible. Mais la lettre ? Qui a écrit la lettre à l'hôtel ? Beryl, oui, qui avait accompagné son frère à Londres. Beryl, qui voulait mettre en garde Sir Henry. Beryl, qui connaît tous les secrets de son frère. Mais c'est impossible, je connais Beryl et je vous affirme... C'est pourtant la vérité. Je lui parlerai, je l'interrogerai, tout ça me semble tellement incroyable. Mais il n'ira pas là-bas, Sir Henry, ce serait une folie. Si. Il faut qu'il aille au rendez-vous. Il n'y a pas d'autre façon de confondre Stapleton. Mais le chien... Nous veillerons autour de la maison. Sir Henry n'aura rien à craindre. Et voulez-vous me passer la moutarde, Watson ? Merci. Merci. Ce bœuf est une merveille. Je crois vraiment que j'étais affamé. Ici, nous serons parfaitement installés. Vous qui connaissez la maison, Mortimer, pouvez-vous me dire comment les pièces sont disposées ? Ces fenêtres grillagées sur le jardin... Ce sont celles de la cuisine. Ah bon. Et les deux autres sur la façade ? La salle à manger. Au premier, combien de pièces ? 4 chambres. S'il n'y avait pas ce brouillard, ce serait parfait. Croyez-vous qu'il va s'épaissir, Mortimer ? Je le crains. À cette saison, quand il tombe sur la lande, il se transforme tout de suite en purée de pois. Et c'est l'affaire de quelques minutes. C'est terrible, Mortimer, ce que vous dites là. Nous risquons de ne pas voir sortir Sir Henry. Vous plaisantez, Watson. Nous sommes à 25 mètres de la porte. Ah, je ne voudrais pas vous inquiéter inutilement, Monsieur Holmes, mais il se peut que la maison devienne complètement invisible avant un quart d'heure. Et le moment n'est pas loin où nous ne verrons plus nos mains. Quelle heure est-il, Watson ? 10h05. Il a promis de sortir à 10h au plus tard. Vérifiez vos revolvers. Le fait est que ce damné brouillard commence à devenir gênant. Oui, à peine si l'on aperçoit les fenêtres éclairées. Qu'est-ce qu'il peut faire ? On ne peut pourtant pas le prévenir. Pauvre Baskerville. Je n'ai rien voulu dire devant lui, mais... Beryl. Beryl n'est pas la sœur de Stapleton. C'est sa femme. Comment ? Attention. Il me semble que la porte s'est ouverte. Ah, vous avez raison, Mortimer, on ne voit plus la maison. Non, nous nous sommes trompés. Sa femme. Certainement. J'ai trouvé l'acte de mariage. Beryl et sa complice. Une complice terrorisée, j'imagine. Je comprends maintenant pourquoi Stapleton était tellement agité l'autre jour, quand il a vu que Sir Henry avait disparu avec Beryl. Il était jaloux. 10 heures, nous devrions nous approcher. Attendons encore une ou deux minutes. Oui, il était jaloux et pourtant c'est sur son ordre que Beryl... A guichet, Sir Henry. Nous ne verrons pas le chien, Monsieur Holmes. Mais si. Lorsque Stapleton doit l'enduire d'une pommade phosphorescente avant de le lâcher, ce qui donne à la bête une apparence formidable et surnaturelle.
Ne perdons pas le temps à viser. Dès qu'il passera devant vous, feu! Voilà, Sir Henry. Bonne nuit, Stapleton! Il ne nous voit pas, ça vaut mieux. Suivons-le. Sir Henry, ne courez pas! Manqué! Vite, par ici! Pas de mal, Sir Henry. Un coup de dent à l'épaule. Ah, l'horrible bête. Et je l'ai eu en pleine tête. Regardez ces crocs. Jamais vu un animal d'une pareille taille. À la maison. Stapleton va fuir. La porte n'est pas fermée. Stapleton, rendez-vous. Personne. Stapleton! Ah, qu'est-ce que c'est? Berry, il l'a tué. N'entrez pas, Sir Henry. Oui, elle est morte. Ah, Berry. Berry. Restez avec lui, Mortimer. Vous venez, Watson. Par le jardin. Je l'entends. Arrêtez! Stapleton! Il a vu qu'il était pris. Il s'est fait justice. Une belle canaille. C'était un monstre, oui. Mais il était bien intelligent, un peu plus. Il faudrait que vous racontiez cette histoire, Watson, elle en vaut la peine. Le chien des Baskerville.